je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Alors, premièrement, j'ai craqué pour le parfum Anigloss et Gloss, le 2 en 1. Là, c'est le Miami Style. Donc, vous avez un lip gloss ici. C'est un rose un peu pailleté, il me semble. Voilà. Et là, vous avez un parfum en roll-on. Et celui-ci, c'est le Miami Style. Voilà. Donc, vous en aviez plusieurs. Vous en aviez un nude, il me semble, un autre rose. Et moi, j'ai pris celui-ci. Voilà. Alors, vérifiez bien que tout soit emballé, car il y en avait qui étaient déballés. Donc, je vous marquerai le prix par là ou par là. Donc, c'était pas cher. Hein. C'était un peu moins de 2 euros. Voilà, moi, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris une petite trousse comme ceci, en forme de pastèque. Il y avait deux sortes. Ils appellent ça trousse à stylo, mais moi, je vais le mettre dans mon sac. Et je vais mettre des petits rouges à lèvres. Et pourquoi pas mettre le petit lip gloss. Mais le petit lip gloss, à mon avis, vaut peut-être mieux le mettre debout pour pas qu'il coule, on ne sait jamais. Voilà, mais je vais mettre soit mes petites lingettes... des petites lingettes pour les lunettes et autres. Et puis des petits rouges à lèvres. Donc ça, ce sera pour mon sac. Pour mon sac à main. Ensuite, j'ai pris un petit sticky note. Voilà, ça c'est une des nouveautés. Donc c'est marqué note repositionnable avec jeu d'autocollant. Donc pourquoi pas pour la lecture. Voilà. Et là, pour mettre des petits post-it. Et là, vous avez des autocollants. J'ai trouvé ça assez girly avec les petits rouges à lèvres. Voilà, c'est assez girly. Là, vous avez une petite boisson. Vous avez comme des petits cookies forever, ou plutôt le signe infini. Enfin, j'ai trouvé assez joli. Voilà, pour agrémenter ces petits agendas, ces petits cahiers. Dans le même thème, on va l'ouvrir ensemble. J'ai pris le, comment ça s'appelle, l'agenda 2019-2020, de juin à juin. C'est un agenda scolaire, mais bon, je l'ai pris pour moi. Donc, on va l'ouvrir, il y en avait plusieurs. Moi, j'ai pris celui-ci avec les bouches. Alors, il se présente comme ceci, avec un petit élastique comme ceci. Là, vous pouvez changer la feuille, hein, si vous souhaitez. Normalement, oui, normalement, ça s'enlève. Mais moi, je vais le laisser. Vous pouvez mettre une photo. Ça, c'est pareil. Ça s'enlève. C'est un petit autocollant. Hop. Je vais essayer de l'enlever. Alors, voilà. C'était marqué inclus plein de choses en anglais. Donc, on va découvrir ça. Donc, il se présente comme ceci. Avec la petite fermeture en plastique, vous avez des petits intercalaires. Normalement, il doit y avoir des autocollants. Vous avez les vacances scolaires de la France, de un peu tous les pays. Là, vous avez des petits stickers en plus. Là, vous avez pour marquer le nom, l'adresse, votre numéro d'email. Enfin, votre email, votre portable. Vous avez quelques petits stickers. Voilà. Donc... ensuite, vous avez différents intercalaires comme ceci. Vous avez une petite pochette pour mettre des papiers. Elle peut se détacher, la pochette. Je ne sais pas si vous verrez les petits tirés. Là, vous pouvez la découper. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, je trouve que c'est suffisant. Voilà, ensuite vous avez pareil pour mettre quelques petits documents ou notes ou ce que vous voulez. C'est marqué Too Busy. Donc vous avez diverses intercalaires. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà montré. Ça, celui-ci avec les petites bouches. Un autre... petite pochette comme ceci pour glisser ce que vous voulez dedans, des photos. Voilà, il est vraiment assez girly, je trouve, avec les petits cœurs, les petites bouches. Très, très joli. Pareil, hein. Voilà, vous avez une intercalaire
Boss Babe avec des petits cœurs. Je trouve vraiment très très joli. Encore une pochette. Hein. Vous en avez trois comme ceci pour glisser des petits documents ou autres. Voilà. Et ensuite, à la fin, vous avez... Alors, vous avez un petit signé, voilà, avec un petit cœur, il est assez joli. Vous voyez, pour mettre, ça fait comme un marque-page en fin de compte. Vous marquez votre page, il est vraiment très très joli celui-ci. Il était aux alentours des 2 euros, mais je vous aurais mis le prix dans la vidéo de toute façon. Ensuite, à la fin, vous avez de quoi noter vos numéros de téléphone, vos adresses. Vos anniversaires, je vous montre vos adresses, vos anniversaires. Les anniversaires sont ici. Bon, pour, par contre, pour les collégiens, je trouve que ça fait un petit peu... c'est pas suffisant. Voilà, vous avez une pochette pareille pour glisser des papiers, des photos, ce que vous voulez. Une pochette comme ça à zip qui se referme. Hein. Voilà, c'est assez pratique. Et vous avez encore un petit intercalaire que vous pouvez détachable, il me semble. Oui, il est détachable. Donc c'est plutôt sympa parce que non seulement vous avez le petit intercalaire qui se remet facilement, voilà, mais en plus vous avez donc le petit marque-page avec le petit cœur. Il est vraiment très très girly. Voilà, moi je trouve qu'il est vraiment très très joli, hein. C'est vraiment très très girly. Hein. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très sympa. Donc c'est de juin à juin, il me semble. Alors, ça démarre du... Ou peut-être fin juillet, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, vous avez toutes les fêtes, hein, comme je vous ai dit. Vous avez les calendriers... Voilà, calendrier 2019-2020, c'est vraiment très très sympa. Pareil, vous pouvez le Moons Planner. Voilà, mois par mois, vous mettez, mettons, ce que vous faites dans la semaine. La Time Table, emploi du temps. Voilà, emploi du temps. Donc à la base, c'est pour les collégiens, lycéens. Alors, ça, c'est quoi? Notes. Pareil, vous avez, j'avais pas vu ça. Vous avez des petites notes dedans. Enfin, il est assez complet, moi, je trouve. Pareil, vous avez premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Voilà, vous avez la pyramide des numéros de téléphone. Il est vraiment très, très sympa, franchement. Mais bon, moi, je trouve que pour les collégiens, ça fait un petit peu juste. Voilà. Et il démarre depuis le 1er août, 29 juillet, voilà, 29 juillet, et il s'arrête environ le 30 juillet, 1er août, voilà, donc il est assez sympa, franchement, moi j'ai trouvé... très très sympa, donc vous aviez vraiment plusieurs modèles. Moi j'ai voulu celui qui était un peu girly, j'avais pas vu qu'il y avait un petit cœur. Voilà, donc je passe rapidement parce que j'ai déjà passé pas mal de temps avec. Ensuite j'ai pris une grosse bougie comme ceci à la rose, c'était la dernière. Vous avez jusqu'à 48 heures de combustion. À l'intérieur, je vais vous l'ouvrir, vous avez trois mèches. Bon, j'arriverai pas à vous l'ouvrir. Mais j'ai trouvé qu'elle sentait super bon. Vous avez trois mèches. Donc, je vais la brûler dès ce soir pour voir ce que ça donne. N'oubliez pas de couper les mèches pour que la combustion se fasse plus facilement. C'est de la marque Condra. En général, je n'aime pas trop les odeurs de fleurs. Ou moyennement, je préfère les odeurs gourmandes. J'en ai une à la vanille de chez Action, mais je voulais changer un peu. Je ne l'ai pas encore faite brûler. C'est de la marque Condra aussi. Elle m'a bien plu, elle est rose. L'odeur assez sympa, hein, ça fait pas rose trop trop chimique. Donc voilà, c'est quand même une relativement grosse bougie à la rose, hein, bougie parfumée.
48 heures de combustion. Elle est relativement grosse et vous avez 3 lèches. Ensuite, pareil, à chaque fois que je vais chez Action, je reprends mes sacs poubelles à la lavande que j'adore. J'en ai pris 3 lots. Voilà, de la marque 2000, vous en avez 15 dedans. Ben, si vous me suivez depuis le début, voilà, enfin si vous suivez souvent mes hauls Action, vous verrez que je les prends toujours par 3 ou par 4. Voilà, j'ai refait mon petit stock. J'en mets dans la cuisine, dans la salle de bain. Ensuite, il ne reste plus que 3 articles. Alors, j'étais contente, j'ai trouvé le body lotion de chez Nivea. C'est le S'active sur peau humide. C'est le lait corps sous la douche. Voilà, vous prenez votre douche, vous l'appliquez après sur la peau humide. Vous rincez et vous êtes séché et vous êtes, votre peau est hydratée. Ça sent assez bon, c'est la crème Nivea, hein, c'est la marque Nivea. Et c'est au Q10. Q10 Plus, sensation fermeté. 24 heures Q10 Plus. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un hydratant pour le corps. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai craqué, ça fait un moment que je voulais m'en prendre un. J'ai pris le petit cactus, mais vous aviez la feuille aussi. Pareil, je vous marquerai le prix, hein. Alors, vous aviez... Le petit cactus, c'est ce que j'ai pris, hein. Vous aviez le flamant rose, je ne l'ai pas trouvé. La feuille, et là, vous aviez l'ananas. Moi, j'ai trouvé que la feuille ou le petit cactus, mais c'est le petit cactus que je voulais. Donc, ça marche avec 2 piles. Alors, vous avez 5 LED à l'intérieur. Voilà, je vous montre. 5 LED. Et ça marche avec 2 piles AAA. Voilà, que vous mettez à l'intérieur. Vous appuyez et voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous avez 5 LED. Je pense qu'on les voit bien. Ça, pour le soir, ça va être assez sympa, hein, moi, je trouve. Bon, après, les LED, vous les mettez un peu comme vous voulez, hein, voyez. Vous mettez vos petites piles ici. Hop. Et voilà. Moi, j'ai trouvé assez sympa. La dernière fois, j'avais hésité à le prendre. Et là, j'ai craqué. Et ensuite, je garde le meilleur pour la fin. Non, c'est pas du make-up. C'est une paire de baskets. Elle était un peu moins de 9 euros, il me semble. Voilà, vous aviez divers modèles. Moi, j'ai craqué pour cette paire-ci. Elles sont légèrement pailletées. Avec un effet très légèrement pailleté. Je vais vous les montrer. À l'arrière, ça fait un peu gris comme ceci. J'en ai à peu près une en noir, mais pas tout à fait pareil. Là, sur le côté, vous avez des petits strass. Voilà, comme des petits clous. Je ne sais pas si on verra, elles sont très légèrement pailletées. Voilà, mais c'est très très discret, hein. Alors, je sais pas si vous verrez, elles sont très légèrement pailletées roses. On verra peut-être pas. Voilà, à l'intérieur, vous avez une petite semelle... Alors, je vais essayer d'enlever l'étiquette. Alors là, je pense qu'on verra peut-être les paillettes. Ici. Voilà. Voyez. Et à l'intérieur, vous avez une semelle un peu style fleuri. Voilà. Elle se présente comme ceci. Hein, toute simple. Un peu moins de 9 euros. Et moi, vu que je mets pas mal de baskets, je voulais m'en prendre une autre paire. Et je me suis dit, bah écoute, je me suis dit, bah je vais craquer. Voilà, vous aviez divers modèles. Vous aviez un modèle un peu forme léopard, mais ça, j'ai pas voulu craquer. Autant les leggings, ça me dérange pas, j'en ai un peu forme léopard. Et pour les chaussures, je me suis dit non. Alors, vous avez un lacet comme ceci, hein, et c'est la taille 37, Women's Sneakers, basket pour femmes. Voilà, donc elles sont vraiment relativement sympas, hein. Avec la semelle blanche, qui a l'air quand même d'assez bonne qualité. Hein. Je pense pas que ça se décolle tout de suite, du moins. Avec la petite boucle un peu rose gold. Voilà, donc je les ai trouvées assez sympas. Et c'en est fini pour mon haul Action. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!